Bon matin, je suis super content de vous retrouver pour cet épisode. On est avec l'OBV de la capitale. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, vous pouvez retourner un tout petit peu en arrière dans les dernières semaines. On vous a fait un magnifique épisode de présentation de l'OBV de la capitale. Je vous laisse le lien dans la description. Et aujourd'hui, épisode un petit peu différent des autres. On s'en va faire une récolte de déchets. Ouais, une corvée de nettoyage en fait. Avec participation bénévole, il y a quelques autres organismes en environnement qui sont là aussi aujourd'hui. Ça sonne plus officiel le terme que toi tu utilises. Corvée de nettoyage, ça sonne peut-être moins évident. Ça fait moins corvée, chasse au trésor. On va dire activité de nettoyage. C'est ça. Bon, on s'entend que ça risque d'être plus des pneus qu'autre chose là, mais... Donc je suis super content d'être là avec Joël et Nancy. Nancy, vous avez déjà vu, qui est la directrice de l'OBV. Nancy, on est dans quel secteur aujourd'hui? Donc on est dans l'amont de la rivière Beauport. Donc encore une fois, un milieu urbain, fait que les déchets qu'on va trouver vont refléter qu'on est dans un milieu urbain. Il y a un parc linéaire aussi accessible à des citoyens. Donc aussi des déchets qui vont être cohérents avec les activités qui se passent ici. Joël, là, l'idée, c'est que vous invitez les citoyens à venir ramasser avec vous. Oui, exact. Donc, on a fait un événement sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Si on a créé un événement, on a demandé aux citoyens de venir nous rejoindre. Il y a certains autres organismes aussi qui ont partagé la publication, qui sont venus se joindre à nous aujourd'hui. Puis là, on est encore assez tôt le matin, mais on devrait attendre quand même beaucoup de personnes pour la journée. Donc, c'est une raison de plus de vous suivre sur les réseaux là pour pas manquer les citoyens de Québec, Beauport, Stoneham, Charlebourg, etc. Exact. Des fois, on propose des petites activités. Donc, s'il y a des citoyens qui veulent s'impliquer, ça permet de suivre un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Génial. Puis, celui qui ramasse le plus de déchets, si on ramasse une tonne, est-ce qu'on a le droit à un petit prix? Je crois qu'il y a de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, exactement. Donc, si vous avez vos bouteilles d'eau, il y a la station d'hydratation mobile. Vous pouvez juste arriver avec vos bouteilles d'eau. Sinon, on a quelques verres, des éco-cups pour remplir également. On manque pas d'eau potable non plus. On a quelques collations pour être sûr qu'on manque de rien. On a de l'énergie pour tout le monde. Génial. Ben nous, on va aller faire un petit briefing de plongée pour voir comment on s'organise parce que on s'entendra que c'est quand même un défi dans une rivière avec peu d'eau, etc. Après ça, on se met au boulot. Puis on se retrouve pour faire le calcul tout à l'heure de génial. Qu'est-ce qu'on a trouvé. Génial. C'est parfait. Ouais, génial. Bonne plongée. Allez au boulot. Donc là ce matin mon Gab, on a vu un peu avec l'OBV, tu sais, ils ont 3 ou 4 fosses à faire. Joël nous disait qu'il avait vu des déchets du bord. Ouais, il y a un pneu là en gros. C'est ça. Puis ce que je te proposerai, il y a Sarah qui va venir nous filmer sur le bord. Rémi va essayer de passer en drone, donc là ça va être un beau défi. Moi je vais mettre des palmes. Pour essayer de couvrir un petit peu plus de distance, même si on va être à ça de fond là. Ce que je te proposerais, c'est si toi t'as les pieds dans la vase, que tu restes toujours en aval. Quand tu vas marcher dans la vase, toute la boîte que tu vas relever, elle va partir dans l'autre sens. Mm-hmm. Donc elle gâchera pas la visibilité. Ça va être le plus facile pour essayer de récolter un maximum de déchets. Tu vas peut-être avoir des belles surprises là. Des endroits comme ça, c'est jamais plongé, donc on va peut-être trouver des trésors. Bon ben Jojo, grosse journée, on est content, il y a eu quand même beaucoup de participants, il y en a qui sont venus avec leur famille, c'est le fun, ça donne des bonnes habitudes aux enfants.
Puis à date, on n'a pas fait tout le décompte, mais on a quand même sorti beaucoup de sacs. Ça paraît pas comme ça, mais sont lourds. Ouais, beaucoup de ferraille, beaucoup de verre. C'est ça, il y a des grosses pièces là. Ouais, ouais. Puis quand on sort ça de la rivière, des fois c'est tout imbibé d'eau, donc c'est plus dans lourd. Les sacs, tu sais, il y a plein de sédiments qui se mettent aussi, donc tu sais, c'est comme. Des fois, on fait un petit rinçage dans la rivière, vite enlever le gros des sédiments, là, ouais. Sinon ça devient lourd sur le dos. Mais, c'est certain. Ouais. Il y a comme une porte, on a trouvé une énorme pancarte défense d'accès, beaucoup de grandes tiges de bois avec des clous dedans, même des trucs pas nice là parce que quelqu'un pourrait piler dessus puis se blesser là. Styromousse. Ouais. Beaucoup de mégots de cigarettes. Ouais. Puis des sacs d'emballage, beaucoup. De la ferraille quand même. Puis il y a des endroits, tu sais, je voyais les gens là, ils y allaient. Tu sais, il y a des endroits qui sont vraiment très peu accessibles. Là, puis le monde jouait le jeu, tu sais, passait à travers les herbes, etc. Oui, pour atteindre les déchets. Même les petits enfants étaient vraiment motivés. Mais c'était un peu la compétition, tu sais. Donc c'est stimulant parce que tu vois les gens, genre moi je vais ramasser quelque chose de plus gros ou etc. Ou plus de volume. Ou... Du coup, on se prête au jeu là. Même nous dans l'eau, c'est super stimulant là. Des fois, on a, même moi, tu m'as dit, c'est le temps de venir tourner la fin. Je suis comme, attends, je vois encore un petit déchet. Ben, c'est dur d'arrêter. Hein. Puis, C'est sûr. Puis il y a quand même de la vie, on a vu un ou deux poissons, un petit peu d'écrevisse, tu sais. Ouais. Ça encourage parce qu'on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Là. Non, ça, la rivière est pas super morte, belle. Il y a des truites, il y a des gens qui peuvent pêcher aussi. Puis c'est une super belle rivière, c'est plus des fois des déversements accidentels ou non, on sait pas trop. Puis beaucoup de déchets de plastique, encore une fois. Avoir la motivation des gens, c'est encourageant, puis on voit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Puis. Nos milieux s'améliorent peu à peu quand même. Donc c'est un rendez-vous pour l'année prochaine? C'est un rendez-vous. Sur une autre section? Une autre section sans doute, c'est pas des déchets qui vont manquer je pense. Et puis on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les infos de l'OBV de la capitale dans la description. Si vous avez des questions pour leur équipe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. On vous remercie, n'hésitez pas à partager, à aller vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Facebook. Et on vous laisse sur quelques images d'épisodes de la semaine prochaine. On vous dit à très très vite. Bye bye. Bye.